Le all shot, c'est celui qui tourne au premier virage en tête. Il y a beaucoup de monde qui va surveiller ça au virage de la DZ là-bas. Ça va, vous allez, allez voir partir très vite pour se ruer ensuite dans la parabolique là-bas. Et dans la parabolique, vous allez vous éclater aussi parce que c'est... Allez, c'est parti, Vivien Gonnet. Ouais, Vivien Gonnet qui fait le all shot. Attention, attention à Vincenot. C'est bon, Vincenot. Attention à Vincenot. C'est Vincenot. C'est Vincenot qui fait le all shot. C'est Vincenot. Ah, c'est Maxime Vincenot. Lacour qui va sortir. Oh là là. Oh là là, et Vincenot qui est dépassé à la sortie, c'est Dabert. Ouais, c'est Sylvain. Dabert qui sort le premier. Allez, Maxime Lacour. Vivien Gonnet, il est loin. Oh là là, il est loin, Vivien Gonnet. Ouais, je l'ai perdu. C'est lui qui est rentré le plus vite dans le virage. Oh là là là, magnifique. Mais il est sorti beaucoup trop tard. Et le freinage, là, qui revient derrière de Julien Colombin, non, me semble-t-il. Non. Colombin est plus loin. On a Dabert, Lacour, Vincenot, Emery. Randy Perresson, Julien Colombin 4. Allez. Ouais, c'est Lacour qui a fait le freinage à l'épingle du chalet là. Et Vivien Gonnet, il est loin. Il est 6 ou 7. Ouais. Ah, il est 7ème, je crois. Ouais. Vivien Gonnet qui s'est raté après avoir fait le all shot. Et bien, il s'est complètement raté à la sortie du virage alors que, avec le dossard numéro 55, Tom Ferrer est tombé dans le premier virage. Allez, on va suivre la remontée là de Maxime Emery. Oh là là, le freinage de Maxime Emery, ça klaxonne derrière. Ouais, Maxime Emery pour l'instant 4ème. Allez, ça va passer. Mais ils ont laissé passer Sylvain Dabert devant. Ouais, et ça, mes enfants. Là, ils sont mal barrés. Hein. Ah oui, la chasse au Dabert est ouverte, mais le Dabert n'a pas envie d'y laisser des plumes. Non, exceptionnel. Hein. Mais ça tient. Allez, Germain Vincenot qui passe de. Ah, mais Germain, alors, on le dit à chaque fois, poids plume comme il est, comment il fait pour arriver à maîtriser la moto comme allez, ça on va voir s'il arrive à remonter sur Sylvain. Ah, ça va être compliqué. Regarde, Maxime Emery, oulala, ça se touche. C'est bon, c'est passé C'est passé intérieur pour Maxime Emery. C'est sur Julien Colombin qui l'a fait l'intérieur. Non, c'est sur Maxime Lacour. Sur Maxime Lacour, ah bah dis donc. Allez, Dabert, Vincenot, Emery, Lacour, Julien Colombin, Germain, Marc Germain. Ah, et Lacour qui perd 3 places hein, dans ce tour. Vivien Gonnet 7ème, Perresson 8ème, Valla 9ème, Perseillan 10ème, Pidou 11ème. Ouais. Et le pote d'Aurélien 17ème qui découvre la discipline. Il va dire oulala, j'aurais peut-être pas dû venir, ils sont complètement fous. Il y en a un qui est loin, c'est Vivien Gonnet. Hein, ça remonte pas, chaud. Gonnet, pour l'instant, il est 7ème. Hein. Ouais, là, pour remonter sur le podium, ça va être chaud. Hein. Il a pas mis la pression dans les pneus, il a mis dans la tête. Allez, là, Germain, il est derrière, Germain. Allez, Germain, il est pas loin. Ah, Germain Vincenot, tout près de... Il y a une seconde. Il y avait une seconde entre le leader Sylvain Dabert et son second, Germain Vincenot. J'ai l'impression qu'il est revenu un petit peu. Un petit peu, il est pas loin, Germain. Hein. Allez. Un petit peu moins d'une seconde maintenant, on va contrôler ça. Ah oui, il y a 5 dixièmes, il a repris une demi-seconde dans le tour précédent. Le freinage de Vivien Gonnet sur Colombin. Ah là, ça passe. Ça passe. Ils sont en train de s'échapper là tous les deux. Hein. Sylvain Dabert, numéro 37, et Germain Vincenot, numéro 14. Ils sont en train de s'échapper. Derrière, c'est Maxime Emery qui est à la... Oh, le passage de Maxime là-bas. Magnifique. Hein. Ça me fait peur. Allez, le freinage à l'épingle du chalet. Toujours. Et tu as vu? Il y a Maxime Lacour qui a disparu. Germain Vincenot, il freine au moins 10 mètres plus tard que Sylvain Dabert. Magnifique. C'est impressionnant. Ouais, on a Maxime Lacour qui revient. Était 4, il est plus il là. Il revient Germain Vincenot. Allez Germain, il ne faut pas lâcher. Il s'approche de plus en plus de Sylvain Dabert, il est revenu. Ah, c'est exceptionnel hein, de remonter. Dans la roue arrière. Ouais. Regarde ça, ils sont ensemble, il y avait 5 dixièmes, il y a plus de dixièmes d'écart maintenant entre les deux. Allez Germain. Germain Vincenot toujours à la chasse de Sylvain Dabert. Ouais, il a repris un dixième dans ce tour. À l'intérieur là, allez. Ah, c'est chaud, là. Ensuite, Emery, 3ème à 2 secondes 6. Germain Vincenot, 4ème. Et quelle paire de Marc Germain, aussi. Magnifique, hein. Ah, par contre, là, dans la ligne droite, c'est un peu plus compliqué à la relance pour Germain Vincenot. C'est dans la deuxième partie. Et notamment, regardez le freinage de Germain Vincenot à l'épingle du chalet. C'est énorme. Ah, magnifique. Il freine 10 mètres plus tard que Sylvain Dabert. Regardez ça. Le freinage. C'est incroyable. Et il revient dans les roues, alors qu'on rattrape les attardés maintenant. Voilà, super, les commissaires. Merci pour les drapeaux bleus. Allez, Marc Germain qui est collé derrière Maxime Emery, exceptionnel. Hein. Ah, Maxime Emery qui n'arrive pas à revenir. Derrière lui, il a un Marc Germain exceptionnel. Vivien Gonnet remonté à la 5ème place. Ouais, c'est chaud là. Ouais. Ah, mais ça va être dur. Allez, hein, Germain, combien il reste de tours? On passe à mi-course. Et voilà, Vivien Gonnet qui a refait peut-être un petit peu de son retard. Ah, il a 4 secondes, donc il a récupéré pratiquement une seconde et demie. Ah, il perd un peu de temps, Germain, là. Ah, là, dans à la reprise, ouais, il a du mal. Hein. Ouais. Là, dans cette partie, mais alors les freinages de Germain Vincenot.
Ah, c'est bagarre. Alors, Dabert, Vincenot, Emery, Marc Germain, Vivien Gonnet, Colomban, Perresson, Valla, Pidou, Brancy, Parseillan, Lacour, Malige. Ah, génial, voilà ouais. Le classement pour l'instant. Et par contre, ouais, Maxime Lacour, il a dégringolé. Il a dégringolé, Maxime Lacour. Si, si, il est là. Ah, si, il est là, il 12e. Est 12e. Ah, dommage, il était 4. Lacour. Bah oui. Allez, drapeau bleu, les commissaires, s'il vous plaît. Ah, mais ils les font, t'inquiète. Ah ouais, ils sont géniaux, les commissaires, ici. Regarde, Germain Masson qui revient à chaque fois dans la partie centrale du circuit. Et Maxime Emery aussi. Sur la roue arrière, il grignote, Maxime. Il grignote. Puisqu'il y avait tout à l'heure Maxime Emery, il avait 2,5 secondes pratiquement de retard sur Sylvain Dabert. Et maintenant, il a repris 4 dixièmes dans ce tour. Et Marc Germain collé à Maxime Emery. Magnifique. Hein. Et Vivien Gonnet à la 5e place qui n'arrive pas à refaire de retard. Oh, Germain, il est regarde, pas loin. Il est pas mal, Germain, là. Il n'a jamais été aussi près, Germain Vincenot. Ça peut se jouer peut-être au freinage de l'épingle du chalet entre le pilote de l'épingle. Allez, Germain, il passe. Allez. Non, il est trop là. C'est là que ça va se jouer. Au freinage. Le freinage. Allez Germain, ah mais il est à l'extérieur, là. Il est à l'extérieur, et oui, il a fermé allez, la allez, porte. Allez. Ah non, il a fermé la porte, Sylvain Dabert, il n'est pas tombé de la dernière pluie. Hein. Ah il est collé là, allez il est collé Germain. Oh là là, c'est magnifique. Hein. Ça n'a jamais été aussi petit l'écart entre Sylvain Dabert, le leader, et Germain Vincenot. Maxime Emery qui revient également avec Marc Germain et Vivien Gonnet. Allez Germain. Allez, ils sont collés là tous les deux. Un dixième d'écart entre le leader Sylvain Dabert. Allez, freinage, Germain à l'extérieur. Germain Vincenot deuxième. Maxime Emery qui est revenu à moins de 2 secondes. Marc Germain qui est là, Vivien Gonnet qui est là, Julien Colomban qui se rapproche. Ah, c'est pas joué, mesdames, messieurs. Oh là ça. Là, quel c'est spectacle. Pas joué. Les deux leaders toujours. Sylvain Dabert, Germain Vincenot. Est-ce qu'il va réussir ce coup-ci à mettre la Honda à côté de Lux Varna? Ah, il a repris un petit peu d'écart là. Dans cette partie, Sylvain Dabert. Il y a une petite chute là-bas, je ne sais pas qui est tombé. Ouais, drapeau jaune. On s'intéresse surtout, bien sûr, à la tête de cette finale de la MB Cup avant de les retrouver en super finale tout à l'heure. Pour l'instant, Sylvain Dabert résiste aux assauts de Germain Vincenot. Maxime Emery en train de revenir, entraînant dans son sillage Vivien Gonnet, passé à la 4e place devant. Allez, Germain. Allez. Ah, il peut pas, il peut pas. Allez, là. Oh, le pilotage, là. Exceptionnel pilotage. Regarde le freinage à l'écran. Il ne peut pas doubler là-bas. Il peut pas doubler, il y a une chute. Ah, drapeau jaune. Ouais. Il ne peut pas doubler là-bas, il est obligé d'attendre. Oui, allez. J'ai pas vu qui c'était. C'est Tom Fletterer. C'est Tom Fletterer qui est arrivé à l'extérieur. Là, ça repart. Les voilà, les deux hommes de tête toujours aussi proches l'un de l'autre. Oh, c'est magnifique spectacle. À toi. Et Maxime regarde qui ça. Revient. Et Maxime Emery qui revient. Il n'est plus qu'à 1,5 secondes, le pilote de Lux Varna. Oh là 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 là, ça se recoupe, ça se. Ah oui, là, le freinage au chalet. Bah oui, toujours la porte fermée par Sylvain Dabert. Maxime Emery qui est revenu. Il va être à moins d'une seconde, Maxime Emery. Ça y est, il est dans les routes, Marc de Germain Vincenot, me semble-t-il. Ah non, c'était qui avait un attardé là. Oh là là là, c'est terrible. Il va rester ce tour-là, plus de tours. Un tour, dernier tour. Dernier tour pour Sylvain Dabert, Germain Vincenot et Max Emery. Ah, il a été distancé un petit peu, Marc. Ah, mais le podium, là, Vivien Gonnet est revenu 4e. Marc Germain, 5e, me semble-t-il. Oui, Julien Colomban à la 6e place, mais ils sont loin. Ouais. Ils ne pourront pas revenir. Maxime Emery, il n'est pas loin non plus. Ah, ça y est, Vincenot. Ça y est, Sylvain Dabert a tourné la poignée. Germain Vincenot a perdu du terrain. Dans la partie, alors est-ce qu'il va pouvoir refaire un petit peu pour que la bagarre soit terrible dans les deux derniers virages? Et regarde, il essaye de retarder ses freinages, Germain Vincenot une nouvelle fois. Maxime Emery, pareil derrière. Ils sont trois pour la gagne dans cette finale. Sylvain Dabert qui se retourne, qui voit Germain Vincenot juste derrière lui, juste, qui est pratiquement revenu. C'est mort, et Maxime Emery qui lui aussi est à l'attaque. Oh, dernier virage, il ne pourra finale. Pas passer. Ouh et magnifique. Normalement, Sylvain Dabert va s'imposer. Oh là là, les trois, ils sont les uns derrière les autres là. Le dans leader, la ah, c'est super. Oh, le leader qui s'impose. Victoire de Sylvain Dabert devant Germain Vincenot, Maxime Emery. Et derrière, Vivien Gonnet, Marc Germain. Ah, superbe. Et Julien Colomban. Et ensuite, on va retrouver normalement. Allez, qui c'est qui est 5 Perresson normalement. Ouais, Randy Perresson. Randy Perresson. 19, qui c'est le 19, où c'est qu'il est, 19, où c'est qu'il est là, Maxime Lacour. Ouais, Maxime Lacour. Ensuite, ah, il est revenu, Maxime, c'est là. Est-ce que Perresson va passer? Non, il est passé avant. C'est Maxime. Et donc, il a doublé Perresson. C'est Maxime Lacour qui termine devant Perresson. Le voilà. Franck Brancy. Et donc, Étienne Parseillan. Sylvain Dabert qui empoche les 30 points.